Pas mal vêtu. Oui, ça c'est vrai, hein? Mais fois manabeti. Mais oui, ça c'est. Mais oui, ça j'ai pas de choix tellement c'est. Non, est-ce que quand les enfants ont perdu leur grand-mère, je viens te voir demain matin dans Canala, je suis hein? Ah, ok. Celle-là, alors, on parle peut-être 10 fois par jour. 10 fois par jour, je parle avec elle. Elle m'a même envoyé. Elle m'a envoyé.
est vraiment trop gentil, de très très beau rouge à lèvres. Et Nama dit à Bambiem. Néa. Oui. Exactement, exactement. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais bon, c'est pas, ça peut pas se passer autrement, hein, Kiamanga Karua. Parce que tu sais quand même que on peut désobéir, mais à un moment, quand la désobéissance se porte, on peut pas de toutes les façons, ce que moi je m'imagine, c'est que il y aurait une fois où tu as été tombé, il est d'accord. Et le coup, je suis à la vie, il a déjà le discours à réduire, on va tomber sur ce qu'il y a d'accord. Et le fameux cas à l'avant, il y a pas l'honneur, Dieu, c'est comme ça, c'est un point que je veux revenir à la. Donc vraiment, c'est ça. Et oui, c'est ça, c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Oui. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Néa, Taré, non, mais moi, je lui ai rendu quand même, je lui ai rendu compte, je lui ai rendu compte de tout, mais oui, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Ok. Okiri. Que l'internet là ne nous fasse pas ça. Apparemment, vous n'avez rien à mettre sous la dent aujourd'hui. Waouh, vraiment les vieilles bordelles là, elles ne veulent pas me coller la paix, hein? Allô? Allô? Oui, j'étais au téléphone. J'ai rien appelé, fermez toutes les portes, rien plus au service. Demain, tu dois être là à 9h, 8h30. Oui. C'est comment? Ça va très bien, ça va très bien. Ça bouge quand même, ça bouge. Hein? Je préfère te faire signe quand.
Ah. Ah, je Bon, peux. attends, je t'appelle en direct, hein. Oh. T'appelles en direct. Ouais, Oh. t'appelles en direct. Ok, ça marche. Je dis, hein, vous savez, coucou, coucou Nathalie, bonsoir à tout le monde. Ça fait ça. Pourquoi Internet fait ça? Partagez, envoyez les cœurs, hein. Voilà, moi, je ne vais pas. Dès qu'on est 200, je décolle. Allô? Oui. Comment là, tranquille là, Pas cochère. Pas cochère, tu sais que hein, quand tu prends la retraite au Cameroun, je suis en train de lancer un live pour la laver parce qu'elles sont toujours comme ça. Elles m'attaquent. Elles m'attaquent et quand je bondis, quand la réplique est violente, elles disent déjà qu'elles partent porter plainte. Et elles disent, quand je les. Non, apparemment, elles ne savent même pas. Quand elles m'attaquent, il y a Fakoche de temps. À chaque fois, Fakoche m'attaque. À chaque fois, Malène Mboutou m'attaque. Quand la réplique se fait, elles commencent à pleurer. Elles disent qu'elles partent déjà porter plainte. Comme si elles doivent t'attaquer, t'insulter, toi, tu n'insultes pas. Est-ce qu'on pleure sur. Voilà. Est-ce qu'on pleure sur Meta? Est-ce que moi je pleure? Voilà, toi tu insultes, quand tu insultes, tu cours, tu pleures, tu ne peux pas dire que tu portes des plaintes, tu portes. Le Cameroun, tu payes les impôts qu'on paye la police avec. Hein? Hein? Ils savent que c'est les impôts des Camerounais qui payent la police. L'histoire commence que quand elle a eu les comment quand elle a eu son expulsion, voilà. Moi j'ai fait un poste pour la soutenir, tu comprends? Et elle, voilà, comme tout le monde pouvait la soutenir, il y en a qui se moquaient, mais elle s'est retournée, elle a dit que mon poste était hypocrite et qu'elle n'est pas elle ne se mélange pas avec la femme les femmes des vieux blancs. Elle a commencé à m'insulter. C'est ça qui s'est passé. Et il fallait que je. Voilà, c'est tout. C'est tout. Oh, voilà. Pour la soutenir, elle dit que c'est un poste hypocrite. Elle commence à m'insulter. Tu sais que cette femme m'attaque depuis très longtemps. Et moi, j'avais toujours peur. Je n'avais pas peur. Je n'avais toujours pas envie de lui répondre. Quand j'ai décidé de répondre, c'était les répliques. Parce que. Et tu sais qu'elle a cité Ketianga dans le truc? Dans les trucs? Que, oh, une bordel, oh, une bordel, Ketianga c'est qui? Et Témé c'est qui? Je t'ai dit, elle a fait des trucs. De toutes les façons, moi je suis sur elle. Aujourd'hui c'est le tour de Fakochère. Parce que Fakochère, elle m'a encore attaqué. Moi, je ne serai pas fatiguée. À chaque fois qu'on m'attaque, moi, j'ai le temps. Dès que je finis, à tout à l'heure, je suis sur elle. OK. Bonsoir, 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 bonsoir. Vous voyez, moi, je suis sortie. Je suis allée manger ma salade. Je suis allée manger ma salade au Mont Phoebe, tranquillement. Je n'attaque personne. Hein? Donc, on m'envoie un poste que Fakoche m'a capturé quand je faisais la grimace. Je ne sais pas ce que cette femme veut sur mon mur. On m'a déjà dit de laisser, que je laisse. Même si elle m'attaque, je laisse. J'ai dit que moi, je ne peux pas laisser quand on m'attaque. Quand on m'attaque, je réplique. Bonjour, Cheryl. Bonsoir, Cheryl. On m'attaque, je réplique. Fakoche fait le poste, elle dit que soit j'ai 63 ans, soit quoi quoi là-haut, soit quoi quoi là-haut. Moi, je ne sais pas pourquoi à chaque fois. L'autre jour, c'est un vautour. J'avais déjà laissé, comme vous m'avez dit que bon, elle m'a attaqué, j'ai répliqué que je laisse. J'ai laissé un vautour du jour au lendemain a capturé ma cuisine.
Elle a capturé la sienne, elle a commencé à m'insulter. C'est là où je suis venue, j'ai fait le poste, j'ai répliqué. Je ne sais pas pourquoi ces femmes sont jalouses. Et apparemment, il y a une autre qui s'est mise, celle qui est grillée là. Celle qui est grillée, vous savez l'arachide, non? Quand on grille l'arachide, elle n'a pas de teint, elle n'a rien. Celle qu'on appelle la maman de beau gosse. Avec ses cheveux comme les poils d'une souris qui est tombée dans le pétrole. Toi, la maman de beau gosse, toi, je te connais. On se connaît. Tu as eu à me contacter. Je commence par toi. Tu as eu à me contacter ici. Tu as dit que tu as un projet de culture du Gombo. Donc, en fait, tout ce que tu as tourné là, tu as fait la prison en Italie avec tous les tatouages des bandits, des tatouages que tu as sur ton corps. Tu as deux bâtards que tu as en main. Tu as tourné. Tu as vu que c'est le Gombo que tu dois venir cultiver au Cameroun. Et dans quelle région à Fumbot? Maman a tatouage. Tu m'as contacté. Tu m'as dit, ouais, je veux que tu ailles me. Que je veux la location de terrain parce que je dois livrer les gombos, je dois faire ceci. J'ai déjà gagné les marchés de livraison de gombos en Europe et tout et tout. Quand moi j'ai vu que tu faisais partie de la base, moi je ne parle pas avec les gens qui font partie de la base. Moi je suis républicaine, je suis la veille de la République et je ne parle pas avec les gens qui font partie de la base. Pourquoi? Parce que le Cameroun est un pays qu'on respecte. On ne vous demande pas d'être du RDPC, de supporter le régime, mais de le respecter. Dès que j'ai su que tu étais de la base, je ne t'ai jamais répondu. J'ai les preuves et j'ai même tes dossiers dans mes choses. C'est comme ça que je suis quitté derrière toi. Tu as commencé à m'attaquer. Je n'ai rien dit. Quand tu venais ici, tu étais brûlé, cramé avec le Fondjangsan. Fondjangsan, tu dis que mon Dieu, moi je n'ai jamais douté. Je ne vous ai jamais dit que je n'ai pas fait le Ndjangsan ou que je ne fais pas le Ndjangsan. Tu es consciente que le Ndjangsan, c'est l'argent. Quand tu es arrivé en France, tu demandais le social. Le Ndjangsan t'a dépassé. Tu as dit que non, tu abandonnes déjà le Ndjangsan. Mais tu ne devais pas abandonner le Ndjangsan, que tu comptais sur quoi? On achète le Ndjangsan avec les cailloux. Maman a deux enfants sans mari. Tu allais ramasser un Syrien ou bien les Italiens ou les quoi là qui te cogne tous les jours, qui ne t'apporte rien. Toi, tu peux me parler, tu prends ma photo, je sors du sport, tu me caricatures, tu mets sur ton mur, tu parles le pidgin avec moi. Une banga woman comme toi, une droguée comme toi. Toi, tu as rêvé être boss lady. Quand la vieille facochère, la prostituée refoulée, quand elle a dit qu'elle a la réunion de boss lady, tu commences à cotiser là-bas, ça t'a dépassé. Tu as failli attraper l'AVC ici. Que tu pleurais si c'était 3000 euros, si c'était. Tu as failli attraper l'AVC ici. Parce que tu disais que j'ai envoyé. Oui, elle m'a envoyé. Tu es venu verser sur Facebook. Tu as même fait pitié. Je t'ai regardé. J'ai vu ton niveau. Maman a repassage. À chaque fois que tes images sont passées devant moi, tu repasses les habits. Tu repasses les habits. Ton travail, c'est repasser les habits. Tu fais comme ça, c'est que le repassage. Toi, tu viens parler à une femme qui ne sait même pas comment on tient un fer à repasser. Hein? Hein? Une lespute refoulée. Tu as fait la prison en Italie. On t'a chassé. Le père de tes enfants t'a chassé parce que tu étais une bandite. Tu étais dans le groupe de gang. Hein? Je ne sais même pas ce que les gens suivent chez toi. Hein? Les gens suivent même quoi chez toi? Toi, tu viens, tu mets ma photo, tu dis que tu es insulté parce que tu avais Lolo. Hein? Une vendeuse de piment. Mère de deux enfants qui vendent le piment. On t'a exposé ici. Hein? On t'a exposé ici. Tu as commencé à vendre les gélules, que les gélules font ceci, les gélules font cela. Quelle gélule? Une arnaqueuse. Moi, je vous regarde, je ne vous suis même pas. Hein? Tu es parti, tu es arrivé en France, la France des Français. La France des Français, c'est un cassard que tu allais ramasser, que tu publies partout. Tu publies, tu affiches partout. Et tu as vu que c'est Madame Chapuis que tu dois chercher. Donc tu tournes, tu dis que c'est Madame Chapuis parce que tu avais Lolo. Vous deux, je vous mélange. Parce que vous avez les mêmes vies. À la seule différence que toi, tu as pondu deux bâtards. Elle n'a rien. Elle, le ventre, les bangatouf. Les 5 mètres, parce qu'au Tchad, là où elle est passée, c'est les 5 mètres.
Dès qu'on enfonce ça, ça va percer l'utérus. Elle est hors jeu. Toi, au moins, tu as tapé deux bâtards. Au lieu de t'occuper de tes deux bâtards, toi, tu viens. Un jour, on m'envoie que tu mets ma photo et tout et tout. Maman, tu sais quoi? Mon enfant que fait, jusqu'à ce que la terre finisse, tu ne feras jamais ce genre. Tu n'utiliseras, tu n'as même pas d'abord les moyens. Là où tu es là, tu montes, tu descends, tu te bats, tu es... Non, non. À cet âge-là, je ne me battais pas. Vous faites ça, vous faites ça, on ne vous répond pas. Vous croyez qu'on a peur de vous? Aline Vondor, ma fille, elles sont versées sur ta mère. Elles se sont entendues. La bande de prostituées ratées, des droguées, les aboyeuses sur Facebook. Vous me pouvez. Vous me pouvez. Hein? Vous me pouvez. Tu as dit que tu faisais le gombo. J'étais étonnée. Une femme, maman me voici en cama chez moi. Et je vous ai fait attendre. Hein? Moi, je parle rien qu'avec les dirigeants de ce pays. Je vous ai fait attendre. C'est comme ça. Voilà le travail de Mme Chakri. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Me voici en cama chez moi. On m'envoie les images que vous êtes sur Facebook. Vous êtes en train de clasher Guylaine Chakri. J'ai dit, on a quoi en commun? Tu es parti du Cameroun, tu as beau ça, tu es arrivé en Italie. Tu as pondu deux noirs. Ton mari, le père de tes enfants t'a refoulé, t'a chassé à l'hôpital. Tu nous as raconté ça. On peut abandonner une femme. Moi, on ne m'a jamais abandonné. Moi, c'est moi qui quitte les mecs. Les mecs ne m'ont jamais quitté, ne m'ont jamais abandonné. Vous faites même ça comment? Vous devez, parce que on voit bien que vous êtes des sales femmes. Vous êtes une sale femme, une femme que l'homme abandonne pendant la maternité. J'ai écouté une histoire comme ça et tout et tout. J'ai dit, je vous dois quoi? Je vous dois quoi? Pourquoi ma vie vous dérange tant? Ma vie vous dérange? Vous dites que j'ai 63 ans, j'ai accepté. Vous dites que je fais le djansa, je n'ai jamais nié. Et si vous voulez maintenant, j'entre, je vous montre mon djansa. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. On fait le challenge. Est-ce que je vous ai dit... est-ce que je vous ai dit un jour qu'elle ne fait pas le djansa? Une décapée. Moi, je m'éclaircis la peau, je ne me décape pas. Une décapée qui a fui le djansa ici, là. La traversée du désert était avec... Là où elle n'a même pas un teint. Maman, ton teint, c'est quoi? Tu as un teint? Tu veux que je t'amène dans ma chambre, sur ma coiffeuse? Tu veux que je t'amène? Regarde la propreté d'une femme. Regarde. Regarde la femme. Toi-même, mets-toi comme ça. Tu es là, les cheveux. Je dis, arrêtez de vous moquer des Camerounais. Arrêtez de vous moquer des Camerounais. Ces sales femmes-là, si vous ne pouvez pas vous laver, vous coiffer, vous habiller, être propre, ne parlez plus au nom des Camerounais. Parce qu'on ne peut pas accepter des sales femmes, une femme qui ne lave pas ses cheveux, venir se poser qu'elle est Camerounaise. Tu es Camerounaise. Depuis quand il y a les Camerounaises sales comme toi? Tu ne sais pas laver les cheveux, ma. Voyez-moi qui sont visibles. Tu ne sais pas laver les cheveux? Tu ne sais pas te... Tu veux que je te montre la... Tu veux que je te sorte la gamme de soins de cheveux, madame? Sale femme. En passant, où en es-tu avec ta culture de gombo, en fait? Parce que tout ce que tu as fait en Italie, tu as volé, tu es allé en prison, tu t'es fait tatouer comme une vendeuse de manga, et maintenant tu as vu que c'est à Fumbo. C'est à Fumbo, tu viens défendre quoi les Banganté? Vous êtes la honte des Banganté? Tu es une honte des Banganté? Je n'ai jamais vu une Banganté sale comme toi. Toutes les Bangladesh que je connais sont très classe. Il n'y a que vous là qui êtes sur Facebook que je ne comprends même pas. Vous êtes sûr que vos mamans là n'étaient pas des grosses bordelles? Qu'elles partaient ramasser les enfants et qu'elles venaient poser ça ici à Bangladesh? Non, parce que Bangladesh, noblesse, dignité, élégance, où est ça sur vous? Où est ça sur vous? Toi, la maman de beaux gosses, où sont même les beaux gosses là? Où les beaux gosses là sont où? Toi, tu prends, tu mets ma photo. Tu me clashes. Regarde tes cheveux. Regarde tes cheveux. On sent la saleté. Regarde tes mains. Regarde ton teint. Je dis, Emma, tu as quel teint? Là, je vois comme si tu es gris foncé. Tu n'es ni brune, ni noire, ni caramel. Mais les femmes qui font le djansa, Karimo est où? Il faut que Karimo vienne voir ton problème.
Karim doit venir voir ton problème. Parce que hein, Karim doit déterminer la couleur de ta peau. Parce qu'il y a trois teintes en matière de peau. Il y a le caramel, il y a le teint noir et il y a le teint métis. Tu es où? Tu es où? Dans quoi? Parce que tu es grise. Tu es gris foncé, gris clair, un genre. Et tu te lèves, tu parles de Madame Chapuis qui a fait le Njansan. Tu n'as même pas vu que le Njansan, là, c'est propre jusqu'à... Tu n'as pas vu une femme qui sort du sport. Normalement, je devais être rouge. Mais tu as filmé, tu as vu que je suis blanche. Tu as compris? Tu te prends pour qui? La cultivatrice de Gombo ratée. Parce que si j'avais loué le terrain, je t'avais donné le terrain à Fumbo, tu serais en train de cultiver et ton Gombo sur la terre noire. Mais donc, tout ce que tu as fait là, tu as tourné en Europe là, la prison au-dedans, la vente d'une banque au-dedans, le maman à tatouage, tout ça dedans. Donc tout ça, c'était pour venir cultiver le Gombo au Cameroun. C'était pour venir cultiver le Gombo au Cameroun. Je comprends pourquoi vous avez la haine contre moi. Parce que quand vous me voyez assise comme ça là au Cameroun, à 2 minutes 10 secondes du président de la République, à 1 minute de la, du ministre des Finances, à 30 secondes de... délégué de la sûreté nationale et à 1 minute 20 secondes de l'ambassade des États-Unis. Vous pouvez mourir. Parce que toi, tu venais cultiver le Gombo. Hmm? Tu venais cultiver le Gombo, la maman des beaux gosses. Tu te lèves, tu me cherches les problèmes, je te connais. Toi, tu peux venir au Cameroun parce qu'on m'a dit que tu étais de la base. C'est là où j'ai dit que je ne pouvais pas, je ne pouvais rien faire avec toi. Hein? C'est là où on m'a dit que je ne peux rien faire avec toi. Tu prononces mon nom. Depuis quand une personne de la base peut sortir, peut prononcer le nom d'une républicaine comme moi? Celle qui a créé la brigade des patriotes. C'est que quand on parle de la brigade des patriotes, même Paul Biya, là où il est là, à Genève, il sait que Madame Chapuis. Hein? Vous avez vu ma marraine ici. Ma marraine ici, vous l'avez vu. Tu peux me parler, toi, la sale femme de la mère des beaux gosses, une femme qui passe le temps à repasser. Si, dès qu'elle branche le live, si elle n'est pas en train de plier les vieux draps, elle est en train de... Maman a repassage. Maman a repassage. Maman, baignez Dieu sur toi, hein. Baignez Dieu sur toi, ma. C'est toujours bien comme ça. Maman a repassage. Tu ne peux pas donner 20 euros à une femme qui vient te repasser les habits des enfants parce que tu souffres trop. Hein? Tu souffres trop. Hein? Une sale femme comme ça, on me dit que la maman des beaux gosses. Qui t'a même dit que tu es la maman des beaux gosses, ma? La maman de quoi? Hein? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu peux m'attaquer et je ne te réponds pas? Qui t'a dit ça? Tu as pleuré l'argent ici. Tu nous as, c'est toi qui nous as dit que là où Zouata a envoyé aller chercher l'argent, c'est là où c'est le fief de vente de Mbanga. Qui tout ce qui s'assemble se ressemble. Est-ce que tu m'as vu mettre ma bouche dedans? Parce que j'ai vu que vous étiez identique. Vous étiez pareil. Parce que quand moi je vois Zoua, je te vois, vous êtes identique. Vous êtes identique. À la seule différence que les gens ont, on a défoncé Zoua avec le bâton du... la canne à sucre. C'est parti traverser l'utérus. Donc, elle ne connaît même pas ce qui veut dire accoucher. Toi, bien que tu aies pris la grossesse, tu as été abandonné. On abandonne une belle femme. On abandonne une femme qui ne fait pas le Njansan. Comment toi, tu peux être une femme que tu as abandonné le Njansan parce que tu n'avais plus l'argent, tu avais déjà trop brûlé et tout et tout. Tu abandonnes le Njansan et toi, tu insultes. Tu prends une femme, tu insultes qu'elle a fait le Njansan parce que tu viens défendre qu'il faut Mbiaï. Toi, tu as le poids de défendre Mbiaï devant moi. Parce que Mbiaï, je l'ai nourri au Cameroun 2 jours. Ma nourriture est dans son ventre, mon vin est dans son ventre. Le lendemain, elle croyait que c'était une prise en charge. Ma l'invitation était devenue une prise en charge. Le lendemain, elle m'appelle. Elle me dit qu'elle veut remanger, comme si c'est moi qui l'avais fait venir au Cameroun. Elle dit qu'elle va me laver. Mbiaï, tu peux me laver, que tu vas dire quoi de moi? Regarde la femme debout. Regarde la femme debout. Regarde la femme debout, avec le panier. Regarde la femme debout, regarde les doigts de la femme. Regarde les doigts de la femme. Toujours ton corps. Mbiaï, tu vas m'insulter, que tu vas me dire quoi? Ouais, me caresser? Hein? Je suis parti me manger une salade. Je rentre dormir chez moi. Voilà la carte de ma suite. De ma suite, oh mon bébé. C'est quand je veux et comme je veux. Tu entends, hein? Voilà la carte. Je suis allé me manger, me faire même. Je suis allé me taper une salade. Et je rentre dormir chez moi. Ma vie vous dérange en quoi? Dites-moi.
Vous, les vieilles bordelles refoulées qui n'avaient plus rien. Vous, le Cameroun est Dieu, ben est Dieu, vous êtes au milieu. Ma pardon, repasse tes choses en paix. Repasse tes choses en paix. Laisse-moi tranquille. Colle-moi la paix. On ne te connaît pas. Et je ne t'ai jamais dit que je n'éclaircissais pas la peau. Non. Et une femme qui a fui l'éclaircissement de la peau parce qu'elle n'avait plus de moyens, parce qu'elle est arrivée en France, elle n'avait même pas mangé. C'est clair que tu ne pouvais plus continuer à t'éclaircir la peau. C'est pour ça que tu dis que tu as décidé que j'ai laissé. Mais tu as laissé parce que tu voulais. Et tout ce que tu as pu trouver, c'était un cassa. En pleine France, tu trouves un cassa, tu viens me parler. Tu trouves un cassa, tu viens me parler, capturé. Tu trouves un cassa, tu viens me parler. Vous qui êtes donc jeunes, vous ces femmes qui êtes belles, vous qui êtes jeunes, posées par terre. Oh là là, attendez, je prends mon sac. J'accepte. Attendez. Je vais répondre à Zoa qui a fait le volume que j'ai 63 ans. Oui, Zoa, j'ai 63 ans, j'accepte. J'ai 100 ans, j'accepte. Ton bilan, toi qui es jeune. Toi qui es jeune, Zoa Kocher, toi, j'aime quand j'aime te répondre étant debout. Je te réponds étant debout, Zoa. Là où tu es là, ton bilan de l'Europe, c'est quoi? Ton bilan de l'Europe, c'est quoi? Toi qui es si jeune, tu t'es prostituée au Gabon, tu t'es prostituée en Guinée. Là où tu es là, tu es gabonaise, tu n'es même pas camerounaise. Parce que ta qualité de saleté, ta qualité de laideur, il n'y a pas ça au Cameroun. Il n'y a pas ça au Cameroun. Viens me dire, si ça c'est la photo d'une femme de 54 ans. Zoa, tu as 60 ans. Je connais ta famille. Tu as 60 ans. Mais ça, je m'en fous. Mais tu es une laide femme. Pas cochère. Ton bilan, c'est quoi, Ambeng? Parce que juste là, tu bailles les visas. Tu bailles les visas. Ton bilan, c'est quoi, toi qui es jeune? Toi qui es belle, toi qui es tout, toi qui es riche. Tu veux que je te dise qu'on t'a refusé le visa cette fois-ci? Parce que les Français se sentent confiance. Hein? Ils te donnent 10 fois la 11e fois, ils te refusent. Voilà mon bilan. Avec toi, Gossambin. Et un mari. Toi qui es jeune, tu as quoi? Tu as fait quoi là-bas? Toi qui es jeune, tu as fait quoi là-bas? Toi qui es jeune, 30 ans après, tout ce qu'on voit de toi, tout ce qui circule de toi, Facochère, tout ce qui circule de toi, ce n'est que les vidéos pornographiques. Tu as fait jusqu'à tourner le porno. Vidéos pornographiques. Envoyez les cœurs. Tu peux me parler, vieille prostituée. Tu dis que j'ai 68. Mais attends, Zoa, me voici. Me voici. Me voici. Ton bilan, c'est le ton bilan. Tout ce que tu as comme souvenir en Suisse, c'est les vidéos pornographiques qui défilent. Ta chatte défile dans les inbox, dans tous les WhatsApp. Tout le monde connaît comment tu es. Tu peux parler devant les gens. Tu es un homme ou une femme? Je dis, hein. Là, vous êtes toutes là. Moi, je soutiens Fleur de Lille. Regarde toi-même. Regarde. Toi, tu peux me parler? Toi, tu peux me parler? Maman. Regardez les bras d'une femme. De... Merde. Oh. Regarde-moi, un trio de l'air de femme, vous pouvez me parler. Toi, tu peux me parler. Tu peux me parler. Wayem, tu connais avec qui moi je parle.
Tu connais avec qui je parle? Tu peux me parler? Une laide sale femme. J'ai vu tes doigts le jour que tu as volé le bébé. Il y a les poils sur tes doigts, Zoé. Il y a les poils sur tes doigts. Toi, là, tu ne dois pas être une femme. On regarde bien la femme, tu es né homme. Et ça, tu n'es pas une femme. Parce que tu n'as rien d'une femme. Tu n'as rien d'une femme. Tu comprends? Tu n'as rien. Regarde même le cabas. Regardez le cabas d'une femme, mes gens, regardez le cabas qu'une femme de main peut porter. Regardez le cabas. Regardez la femme de main. Quand elle dit qu'elle porte le cabas, c'est le wax avec les états. C'est le wax. C'est le cabas qu'on porte. Voilà la une femme de main. Et elle part comme ça. J'étais là. Je suis allée prendre ma salade, mon bébé, maman. J'allais manger une salade composée au mont Fébé. Et c'est en rentrant qu'on m'a envoyé ta capture. Et la carte, je ne l'ai même pas encore mise dans la pochette. Vous enviez ma vie pourquoi? Vous enviez ma vie pourquoi? Vous enviez ma vie pourquoi, Zoa? Je te dois quoi? Et quand je réplique, vous allez aller au commissariat pour me porter plainte. Sachez que la réplique, vous perdez votre temps. Au commissariat, quand c'est la réplique, il n'y a rien à faire. Réplique égale réplique. Et ne supprimez pas, hein, quand on va au commissariat, là, parce que si vous supprimez, dans les directs, quand on écoute, on sait que cette dame est en train de répondre à une attaque. OK? Moi, je vais te baptiser, je vais te donner un nom, toi, voilà. Je vais te donner un nom. Parce que ta qualité de saleté, pas cochère. Mais Jean, attendez, vous allez voir le jour qu'elle a volé l'enfant. Le jour qu'elle a volé l'enfant, allez sur la photo, vous agrandissez. Vous allez voir que les doigts de Zoa, voilà, les doigts de Zoa ont les poils. Les doigts de Zoa ont les poils. Voilà les doigts de Regardez les doigts de Zoa. Le jour qu'elle a volé l'enfant. Regardez, le jour qu'elle a volé l'enfant. Regardez l'ongle. Et vous venez me parler, que ce soit toi. Que ce soit la mère des beaux gosses, vous êtes toutes des crasseuses, des sales femmes. Vous pouvez me parler. En dehors du Ndjansa, vous allez encore dire quoi? Et le Ndjansa, c'est un choix. Parce que là, je vous dis, et je vous répète, ça fait plus de 25 ans que je m'éclaircis la peau. Et j'adore ça. Ça me fascine. Ça me fascine. Et le Ndjansa, c'est un peu éclaircir hein, la peau. C'est de faire avec tout ce qui va avec. Vous comprenez? Toi, la mère des beaux gosses, je ne sais même pas qui t'a donné ce nom. Tu viens parce que Lolo est bavardé. Je finis avec vous deux. La différence, c'est que toi, tu as pondu deux batailles qui te dépassent. Tu as pris un Naoussa qui te pine là pour rien, genre. Parce que moi, quand je suis arrivé en Europe, le blanc que j'ai trouvé, j'ai dit que le blanc que j'avais trouvé, je ne vais pas travailler, il va travailler pour moi. Vous avez compris, non? Et s'il vous plaît, j'avais déjà trois enfants. C'était le challenge. J'ai dit, quand je suis arrivé en Beng, j'ai dit que le Watt que je vais trouver, il va travailler pour moi. Je ne vais pas me lever à 5 heures pour aller travailler alors que j'ai trouvé le Watt. C'est ça. Et ça s'est passé comme ça. Regarde-moi les esclaves. Une esclave ambulante comme la mère de Bogos. Je n'ai jamais vu une femme qui repasse comme ça. Ma, tu sais ce que ça peut te faire au bas-ventre? Tu sais ce que ça peut te faire au bas-ventre? Est-ce que tu sais que quand tu as un homme à la maison, quand tu es à la cuisine, il fait le repassage? Pauvre Africaine, c'est vous qui faites à ce qu'on méprise les Africaines. Normalement, quand tu fais à manger, le mec qui doit repasser, c'est pas toi qui repasse. Tu fais à manger, tu fais la table. Tu es malheureuse. Tu es malheureuse. On voit bien que tu avais besoin d'un homme. Moi, je ne prépare pas. Et l'homme est là, il est assis. Et il m'entend repasser. Il m'entend plier les draps. Il m'entend faire le ménage. Tu es une esclave. Tu es une esclave ambulante. Dis à ton. Va chercher un vrai blanc. Va chercher un vrai what qui va t'aimer. Parce que là, c'est toi qui l'aimes. Et tu supplies qu'il soit là. Parce que ton problème, c'est qu'il faut que tu sois avec un homme. Mais moi, je ne bosse pas si je suis avec un what. C'est le roi qui bosse pour moi. Et c'est comme ça et pas autrement. Vous avez compris? Vous les deux,
Vous êtes identique. Voilà pourquoi vous êtes retrouvé dans la cotisation des boss caca. Boss caca. Boss lady. Vous savez ce que c'est qu'être boss lady? Boss caca. C'est votre réunion là-bas, boss caca. Hmm? Moi, je vous dis, qui s'y frotte, s'y pique. Je ne donne jamais le premier coup. Mais quand on me cherche, on me trouve. Alors, va chercher ton terrain à Fumbo tranquille. Tu cultives ton gombo et tu vas livrer à Lidl. Je ne suis pas là-dedans. Ça, c'est ta part de... c'est ton calvaire. J'ai appris que Marie a dit qu'elle va me laver. Marie, tu peux me laver, tu vas dire quoi? Marie, qui est Lolo? Tu peux me laver, que tu vas dire quoi? Hmm? Madame, tu vas te lever maintenant pour payer le loyer, hein, toute seule. Ton colocataire, apparemment, il n'est pas là. Hein, ton colocataire, il a pris congé. Hein, hmm, parce que t'as pas un mec, t'as un colocataire. Tu vas me laver pour dire quoi? Les papiers, tu n'as pas. J'ai dit que le chalet, c'est que tu me sortes ton papier. C'est tout. Marie, sors-moi tes papiers. Parce que ce n'est pas normal que autant d'années en Europe que tu n'aies pas de papiers. Tu vas me laver, que tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Qu'on m'a rapatrié au pays. Qu'elle n'ait pas de mari. Qu'elle n'ait pas les dos. Que je ne suis pas belle. Qu'elle n'ait pas de Mouna. Hé! Laver, il faut laver avec les arguments. Hmm? Je dis, hein? Il faut laver avec les arguments. Ne lavez pas comme les clashs des vendeuses de beignets. Il est vrai que vous n'êtes pas mieux que les vendeuses de beignets. Hmm? Hey! Le gars qui part. Le gars qui part. Ma, pas pour j'ai parti. Le gars qui part. Et là, ça fait Bangaté vient m'attaquer. Hey, 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 hey. C'est moi qui ai chassé Fodja. Vous ne savez pas que chaque galère a les limites. Vous savez pas que chaque galère a les limites. Tu souffres, tu supportes, tu supportes, tu supportes. Un jour, tu pètes le câble. C'est moi qui ai demandé à Fodja de péter le câble. Hein, celle-là dit qu'elle va me laver au lieu d'aller chercher. Au lieu d'aller chercher un mari. Hein? Maman. Tu as déjà recruté. Comme on te critiquait que Wakatolog était dans le noir. Et que on ne savait pas. Elle est dans le noir parce qu'elle est laide et tout et tout. Tu as maintenant pris celle. Tu as allé recruter celle qui se fait voir le visage avec les botox qu'elle a mis, les graisses de porc. Elle a mis les graisses de porc partout sur le visage pour venir clasher Flore. Elle peut clasher Flore, ça n'a pas pris. Tu peux aller chercher le renfort. Au lieu de chercher le renfort pour ta vie, toi tu vas chercher le renfort pour agresser, pour insulter Flore, pour venir commenter que l'enfant de Flore n'a pas le bac. L'enfant de Flore fait quoi avec le bac? Sa mère travaille pour lui. Depuis quand ta mère travaille et qu'elle investit, tu es obligé même. Est-ce que les enfants des boss vont même à l'école? Hmm? Est-ce que les enfants des boss vont à l'école? C'est un peu comme si on me disait aujourd'hui que mon fils est obligé de travailler. Non. Là où je me casse là, c'est pour que mes enfants fassent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas pour qu'ils se lèvent comme à 7 heures pour revenir à 17 heures pour se casser le cul. Mets ça dans la tête. Tu allais écrire que l'enfant de Flore n'a pas le bac. On n'en a rien à foutre. Tout ce que Flore fait, c'est pour son fils. Hein? Tu n'as pas compris quoi? Toi, ouais, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant, même tu n'as pas. Mais vraiment, les deux, ces femmes qui sont vraiment bêtes. Hein? Toi, tu n'as même jamais... tu n'as jamais été à une maternité. Mais tu vas te moquer de Flore que son enfant n'a pas le bac. Alors que toi... ta copine, elle a pris l'enfant de sa grande sœur, un garçon que ça fait 6 fois qu'il n'a pas passé le BPC. Mais elle, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. L'enfant de sa grande sœur, quand on a vu qu'elle ne peut pas faire d'enfant, sa grande sœur est morte, elle a pris l'enfant. 6 fois, il n'a pas eu le brevet. Mais toi, tu les vois. Tu vas insulter Flore que son enfant n'a pas le bac. Zoa doit comprendre que la même injure tu es en train de lui envoyer que son enfant adoptif n'a même pas le brevet. Tu es bête comme tes deux pieds gauches. Tu es bête comme tes deux pieds gauches. Toi, tu peux parler à madame. Tu vas laver madame Chapuis que quoi? J'étais amené au Femous, le restaurant le plus cher et le plus chic de Yaoundé. Je croyais que quand tu disais souvent que je suis classe et tout, je croyais que tu étais classe Lolo Fodja. Tu peux me parler, toi? Je croyais que tu avais de la classe. Tu n'as aucune classe. Tu n'as
n'a aucune place parce que je ne m'attendais pas que dans un restaurant aussi huppé, que tu ailles commander le poisson braisé, que tu suces les os, tu casses la tête du poisson. Ça ne se fait pas, on casse la tête du poisson à la maison, on ne casse pas la tête du poisson au restaurant. Un restaurant chic où les gars, nous, les enfants du pays, les ministres sont là, tu es là, en train de broyer les ondes directes. Il fallait me dire de terminer à la Maison Blanche, madame. Et c'était ton niveau, c'était la Maison Blanche. Tu sais que tu vas me laver pour me dire quoi? Tu vas me laver, tu peux me laver. Tu peux me laver. Une fille qui a perdu à 15 ans, elle n'avait plus de parents. Elle s'est mariée, elle a fait ses trois enfants, elle est allée en Europe, elle a eu le challenge, elle a lancé le challenge. Que ici, là, le work qui me prend, c'est un work complet, produit fini, parce qu'elle ne veut pas work. Et ça s'est passé. Toi, tu vas me dire quoi? Qu'elle n'est pas le titre foncier. Hé hé! Oh, je n'ai pas le titre. Ouais, ma marraine est où? Ouais, ma marraine est où? Vous venez entendre que Fodja, que Bia, il dit qu'elle n'est pas le titre foncier. Le seul titre foncier que ton propre père a laissé, vous avez vendu. Le seul titre foncier que votre père a laissé, vous avez vendu. Toi, tu connais la valeur du titre foncier. Si tu connaissais la valeur du titre foncier, vous n'alliez pas vendre le titre foncier de votre père. Donc, ne parle plus jamais du titre foncier à Madame Chapuis. OK? Oui. Le titre foncier sert à quoi? S'il faut que j'achète le terrain pour que je meure. Mes enfants vendent quand vous avez vendu votre maison à Kyrita. Tu as parlé du titre foncier. Et fais quoi avec le titre foncier? J'ai donné le titre foncier à mes enfants. Chacun a son titre foncier, c'est ça. Tu as compris? Chacun a son titre foncier. Chacun a sa retraite. Chacun a sa vie. C'est ça. Quand tu donnes ça à un enfant, c'est que tu lui as tout donné. Tu as compris, non? J'ai une vidéo là où tu disais que tu as eu le courage. Parce que voilà le titre foncier de Loïc dont tu parles. C'est son titre foncier ici. Tu as compris? Parce que moi, je peux vivre en location partout. Je peux louer au Cameroun. Je peux louer, parce que j'ai la maison à Besançon. Je peux louer au Cameroun. Je peux louer en Suisse, parce qu'en Suisse, je suis local. Je peux louer en Espagne. Je peux louer dans trois pays du monde. Ça devient pour moi, je loue comme ça là, jusqu'à la fin. Parce que j'ai une retraite qui me permet. Par contre, mes enfants, voilà leur titre foncier. Voilà leur avenir. Et ils le savent. Tu as compris? Regarde-moi une femme qui ne connaît pas comment, combien coûte le terrain qui me parle du titre foncier. Même celui que leur père a laissé, ils ont vendu. Elle vient me demander le titre foncier. Où est celui de ton père? Parce que les maisons de mon père sont là. Hein? Où est celui de ton père? Fais voir tes cheveux en fait. Faites-vous les tresses comme Madame Chapuis a fait comme ça. Vous qui êtes jeune, vous qui avez 12 ans, vous qui avez 18 ans, avez les seins qui bavent, on dirait la pâte de beignet. La pâte de beignet qu'on a déjà tapé comme ça. Si tu tentes de dire que tu peux faire flop, vous pouvez me dire, me parler. Vous croyez qu'on ne clashe pas parce qu'on ne sait pas clasher? J'étais amenée au Fémous. Tu sais combien le restaurant a coûté. J'étais amenée au Boukarou, le plus grand cabaret de Yaoundé. Je t'amenais seulement aux endroits huppés. Parce que je croyais que tu étais quelque chose. Toi, tu peux m'insulter, toi. Toi, tu peux m'insulter. On reconnaît une femme par l'entretien de ses cheveux, en fait. On reconnaît la propriété d'une femme par l'entretien de ses cheveux. Je parle de ta soeur, la maman des beaux gosses. Je ne sais même pas avec quel genre d'homme elle se couche. Hein. Si tu as les cheveux comme ça, monsieur Chapuis, tu ne peux même pas te coucher à côté de lui. Elle est incapable de se peigner les cheveux. Mais putain, regarde-moi une femme qui... La saleté commence à la tête jusqu'aux pieds. Toi, tu viens parler à Madame Chapuis. Vous avez vu ma photo quand il y a 12 ans? Vous avez vu la photo quand il y a 12 ans? Quand il y a 12 ans, quand moi j'arrivais ici au Cameroun, j'avais une suite à l'hôtel des députés sur 5 ans. Une suite sur 5 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que je croque la vie. Je croque la vie depuis très longtemps. Je mange la vie depuis très longtemps. J'ai dit la photo que vous avez vue là. J'avais une suite sur 5 ans. C'est-à-dire tout un mandat. Où toute ma famille venait manger là comme ils voulaient.
t'as amené au machin là, au Bucaro. Tu as bu le whisky, tu as bu le champagne, tu as bu la petite Guinness et tu faisais les vidéos partout. Tu m'as vu prendre une photo avec toi. Ça ne te dit rien. Tu te dis star. Est-ce que Madame Chakri qui t'a invité, tu as pris une photo à... Est-ce qu'elle t'a dit Lolo, prenons une vidéo ensemble, prenons une photo. Vous croyez que je suis bête? Tu crois que mon image, ça circule comme ça? Hein? Tu crois que ça circule comme ça? En plus, à la fin, il fallait que j'aie été déposée dans ton trou à Titi Garage où j'ai failli me faire agresser. Et le lendemain, comme tu avais bien mangé, bien bu, t'as appelé Mère Teresa pour dire « Oh, je ne mange que le soya depuis que je suis arrivée. Est-ce qu'il n'y a pas les nourritures africaines ici? Guy, j'ai envie de bien manger africain. Il n'y a pas les coquilles ici. » Mais putain, ce n'est pas une prise en charge, une invitation. Ce n'est pas une prise en charge. Tu comprends? Voilà, c'est là où Flore vous dépasse. Comme ta soeur est venue te défendre, tu dis que tu vas laver. Tu vas laver, tu vas me dire quoi? Tu vas laver, tu vas me dire quoi? Tu peux me dire quoi? Hmm? Tu peux me dire quoi? Me voici en cabane chez moi. Pas n'importe quel cabane. Quand je coule le cabane, c'est le super wax. Je coule le cabane, c'est le super wax. Tu as compris? Hmm? Mais tu crois que je pouvais me mettre comme ça et me filmer avec toi? Non, mais tu as vu que je me suis filmé avec Ngannou. Et cette photo, je ne l'ai jamais postée. Je me suis filmée avec Ngannou, mais je ne l'ai jamais postée. Mais toi, le lendemain, tu postes la photo avec Ngannou. Arriviste va. Quand tu es arrivé au restaurant, tu as eu le courage de sortir du taxi. Parce que tu as dit, prends le taxi. Tu n'as même pas eu quelqu'un qui t'a donné une voiture pour ton séjour. Vous êtes même jeune dans quoi, non? Mes gens. Vous êtes même jeune dans quoi? Vous savez même ce que coûte une femme. Hé, hey, maman! Tu arrives au Cameroun. Et vous, toi, voulu m'insulter. Tu arrives au Cameroun. Au bout de 2 ans. Mais Claude, comme tu n'as pas vu que Loïc était en France. Loïc était en France, il a fait deux semaines. Il a fait, non, il a fait 18 jours en France. Il était en vacances avec la semaine dernière. Hmm? Je dis, hein, vous êtes même comment? Vous êtes comment? Tu es arrivé en taxi. Quand tu as vu l'entrée du restaurant, le fameux, je le dis la vérité, parce que moi, je ne mange jamais. Je ne peux même pas me permettre de mentir. Est-ce que tu as pu entrer? La fille m'a appelé. La maman là m'a appelé pour me dire qu'elle a honte d'entrer. Elle a honte qu'elle ne peut pas entrer. J'ai dit, mais entre, non? Et tout et tout. Moi, je croyais qu'elle était habituée à ça. J'ai dû envoyer les gars en jaune là. Qu'il y a une dame qui est sortie du taxi là. Prenez-la pour l'amener ici sur cette table VIP. Et je ne savais pas pourquoi. Elle avait honte. Hein? Avec son habillement là, toujours qu'elle fait vomir ses conneries là devant comme ça. Elle avait honte. Hmm? Voilà. J'ai dit à chaque fois, Josiane, je suis restée tranquille. À chaque fois, ouais, le volume est bas. À chaque fois qu'elles vont me provoquer, je vais répondre. Moi, j'ai le temps. Hein. À chaque fois qu'elles vont me provoquer, je vais leur répondre. Et j'ai du répondant. Parce que je n'ai pas peur de toutes ces femmes-là. Je n'ai pas peur. Vous comprenez? Et je ne les cherchais même pas. L'autre jour, j'étais tranquille. Elle voudra publier la photo de ma cuisine. Elle a publié, soit là où dans l'appartement meublé où elle était. Elle s'est mise. Dès qu'elle publie comme ça, elle sait que je vais sortir. Parce que moi, elle ne répond pas par les postes. Elle a dit que je n'ai pas le BPC. L'autre jour, elle a dit que montre le BPC. Je te sors tout. Tu es une illettrée. Trouve-toi un travail. À chaque fois, je réponds. C'est comme ça.
C'est là où elle vous touche. Je te dis que, et toi, et ton bac, et ton doctorat, et tout mélangé. On me donne, je prends, je déchire comme ça. Là. Je déchire comme le papier, comme ça. Parce que ça ne va me servir à rien. Parce que ce que j'ai dans la tête, tu n'auras, ce que je fais, tu ne feras jamais ça jusqu'à la fin. Avec tous tes diplômes, tu ne feras jamais ça. Tu as compris? Voilà. Regardez-moi ces femmes qui ne servent à rien. Ces femmes. Zoakocher. Quand tu fais le direct et que tu fais les grimaces, toi tu attends seulement là où on fait les grimaces pour capturer. Voilà Dame Chapuis. Ouais. Voilà Dame Chapuis ici. Zoakocher. Voilà Dame Chapuis. Fais les rastas. Et tu attaches comme j'ai attaché là. L'aide créature de Dieu. Quand ton tour est arrivé, Dieu avait faim. C'était midi. Tu es très laide. Tu es très laide. Oui, j'ai 63 ans. Oui, j'ai 65 ans. Oui, j'ai 70 ans. Toi qui as 40 ans. À 40 ans, on ne vend pas. On ne rentre pas de l'Europe sans papier. À 40 ans, on n'arrive pas en Europe et on rencontre, on sans challenge et on rencontre tout simplement un concierge. Parce que Chopin, c'était un concierge. À 40 ans, comme tu as 40 ans là, ta part, c'est un concierge que tu as rencontré. À 40 ans, tu ne reviens pas au Cameroun pour vendre du vianga. À Kribi, tu as ouvert le restaurant à Kribi pour vendre du vianga. Pas cher. À 40 ans, tu n'achètes pas le sac à 15 000 pour venir vendre à 100 euros. Laisse les Camerounais se démerder. Tu viens disputer le commerce avec les Bayam Salam. Et toi, tu dis que je suis vieille. Est-ce que vous m'avez déjà vu vendre quelque chose sur Facebook? Est-ce que vous m'avez déjà vu vendre une aiguille sur Facebook? Tout au contraire, j'achète beaucoup sur Facebook pour encourager. C'est ça qu'on appelle Mbengis. C'est ça qu'on appelle Mbengis. Et vous toutes là qui êtes rentrées de l'Europe, qui êtes au Cameroun, tant que vous n'êtes pas à la hauteur, fermez-la et bouclez-la. Toi, Fakocher, invoutou, bouclez-la. Arrêtez d'insulter celles qui ont su ce qu'elles sont allées chercher en Europe. Tu as compris? Vous aussi caricaturez mes yeux. C'est M. Chapuis qui va te porter plainte. Parce que tout le charme de M. Chapuis, c'est dans mes yeux. Tout le charme de Chapuis, là, c'est le visage que tu vois, là. Parce que lui, c'est un designer de profession. Tu as compris? Voilà. Arrêtez. Je vous dis encore. Je suis à 2 minutes 20 secondes du président de la République. Sur l'axe présidentiel, à moins d'une minute 10 secondes de Super U, on m'a mis ça au bout du nez. Et si je ne suis pas lui, si je n'ai pas une maison à moi, à Bastos ou au Golfe, je demeure en location. Parce que ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout. Toi, Fakocher, les quatre murs jaunes que tu as construits, le dortoir, ton dortoir, maman, est-ce qu'on se vante avec une maison qu'on a construite parce qu'on doit y dormir, parce qu'on doit y vivre, parce qu'on doit y pisser et chier? Est-ce qu'on doit se vanter avec une maison qu'on a construite pour soi? Ta maison apporte quoi au Camerounais? Tout au contraire, tu es un poids. Tu es une charge pour le Cameroun. Tu es une charge pour le Cameroun. C'est vous qui faites à ce que les gens loupent l'éducation de leurs enfants ici. Tu ne peux pas faire, tu arrives au Cameroun. Les jeunes filles qui achètent les choses à Douala pour venir vendre à Yaoundé, tu fais pareil. Les mamans qui achètent les porcs épics et les pangolins pour venir, pour découper, préparer et vendre pour avoir les bénéfices de 6 000, 7 000. Tu viens, tu fais la même chose. Et toi, tu veux parler à Madame Chapuis, tu ne peux pas me parler. Tu ne peux pas parce que tu ne t'en sors pas. Tu n'as pas une retraite. Mais madame, moi j'ai une retraite. Moi j'ai une retraite. J'ai travaillé ma retraite. Ça m'a coûté 20 ans de mariage. J'y suis encore. Tu construis 4 murs jaunes dans les lobbies. Au fin fond de petit marché. Toi tu viens me parler. Moi je ne peux pas vivre là-bas. Tu le sais. Mon niveau de vie, je ne vis pas là où les moustiques me piquent. Je ne vis pas là où on coupe le courant. Je ne vis pas là où on coupe l'eau. Je ne vis pas là où on puise l'eau dans le forage, dans le puits pour se verser dans la baignoire comme toi. C'est
C'est ça le problème. Parce que j'ai vécu en Europe, le vrai Europe. C'est-à-dire qu'un vrai bain, j'en ai vécu. Toi, là où tu es allé vivre, on voit bien. À Oudja, je ne peux pas vivre à Oudja. Là où je traverse 12 embouteillages pour arriver au fief des ministères, que je pars de chez moi à 8h, j'arrive au ministère à 15h30 quand les bureaux sont fermés. Toi, tu peux me parler? Tu peux me parler, toi? Ça fait 5 ans que je suis ici dans cet appartement. Et l'argent de 5 ans, là, ça fait 3 maisons, 3 machins, 3 poteaux cloués que tu as là-bas à Oudja. Toi, tu viens me vanter que tu as construit quoi? Tu as construit ta cabane, tu as construit ton dortoir. Qu'est-ce que ça amène au... Tu as construit ton dortoir et tu as prouvé au Camerounais que tu ne peux pas louer à Yaoundé. Puisque tu es allé ouvrir ton tourne d'eau à Kribi. Qui n'a pas encore décollé. Prouvé, petit truc, tu ouvres le restaurant à Yaoundé. Viens louer à Yaoundé. Et tu ouvres ton machin. Envoyez les cœurs, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler, envoyez les cœurs. Viens louer à Yaoundé, tu ouvres, va même louer en Bogada, même en Kondongo, en Kolmesel ou bien tu loues même à Oudja, petit marché, parce que tu n'es pas Oudja, tu as petit marché, parce qu'il y a Oudja, Oudja. Là où les ministres sont, ce n'est pas là où tu es, tu es dans les lobbies, là-bas, quand tu arrives, on prend la moto, et on arrive chez toi. Voilà. Ne vous déconnectez pas, hein. Il signale. Ça les pique parce qu'elle signale. Les sales femmes ratées. Après, elles vont aller porter plainte. Vous dites que j'ai public. C'est cela. Vous croyez que quand vous piquez, ça ne me pique pas. Et moi, je supporte. Et c'est la réplique. Parce que quand tu piques, attends-toi à une réplique. C'est ça le problème. Tu piques, tu t'attends à une réplique. Voilà. Mais, hein? Jusqu'à dire qu'elle a 63 ans. Je n'ai pas 63 ans, j'en ai 70. La beauté de ça, j'en ai 70, j'en ai 75. Toi qui as 40. C'est la même chose que Marlène. Marlène Mvoutou, qui est toujours en train de me dire la merci. Elle ne pense pas à sa mère qui est encore en Suisse là-bas, qu'elle ne voit même pas que c'est l'âge de la retraite. Mais quand tu vas répliquer, ça va pleurer. On ne pleure pas sur Meta. Quand tu attaques, on ne pleure pas sur Meta. Tu as compris, hein, Marlène? Coucou. Quand tu attaques, attends-toi à la réplique. Et n'oublie pas que je suis la belle de la République, Marlène. Je suis la belle de la République. Tu ne peux pas me salir. Tu ne peux pas me salir. Tu ne peux pas me faire croire que je suis illettrée. Voilà. On ne pleure pas sur Meta. Tu ne peux pas me traiter d'illettrée. Tu me traites d'infidèle, tu me traites d'épouse de vieux blanc, tu me traites d'épouse de une femme qui a épousé son blanc pour de l'argent, alors que toi tu t'es mariée par amour. Et tu me traites, tu dis que je n'ai pas de BPC, et tu me dis que j'ai des amants, j'ai tel, tu sais. Et tu crois que je vais te caresser ou quoi? Je ne te caresse pas. Je ne prépare une réplique et on ne pleure pas sur Meta. On ne pleure pas sur Meta. Tu as compris? Non, j'ai ma soeur en Christ, votre Seigneur vit en vous, ne la tue. Parce que vous ne mettez pas les cœurs. On signale, vous ne mettez pas les cœurs. On signale. C'est ça. Et quand moi je parle, je ne raconte pas des conneries. Tu sais ce qu'il veut dire, traiter une femme d'infidèle sur Facebook, une femme qu'on respecte, on la respecte parce qu'elle est mariée, on la respecte parce que son mari a fait ses preuves au Cameroun, et que toi, tu viens, tu la traites comme tu la traites, et tu cites les noms des autorités du Cameroun, les sénateurs et tout. Tu sais ce que ça veut dire, Mvoutou? Tu sais ce que tu peux détruire? Tu es malade dans ta tête. Tu vas seulement bouffer le Ndjangé avec moi. Chaque fois, je bouffe le Ndjangé. Parce
Mon mariage est fini. Tu as fait ça. Peut-être ces gens-là dont tu as cité les noms, ils, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'il y a les conséquences. Il y a les conséquences, mais moi, je... Voilà, je me suis mise sur 5G. Hein? Tu crois que moi, je vais venir pleurer, là? Je ne pleure pas. Hein? Je ne pleure pas. Hein? Je prends sur moi. Donc, toi, tu vas venir m'insulter. Tu fais tout. Tu fais ce que tu veux, là. On te laisse parce que tu t'appelles un bout. Tu es qui? Tu es qui? La maman de beau gosse, là, elle est allée dormir. Toi, tu veux venir faire l'association des Baganté contre moi. Quand tu cherchais le terrain pour cultiver ton gombo, pourquoi tu n'es pas allé chercher à Baganté? Pourquoi c'est chez moi que tu es venu, c'est moi que tu as appelé pour qu'on te loue le terrain chez moi? Il n'y avait pas de terrain à Baganté. Et aujourd'hui, tu m'attaques parce que tu dis que je suis sur Lolo. Tu insultes, tu insultes. Regarde-moi une droguée comme celle-là. Elle fume comme une cheminée. Les dents n'ont même pas la n'ont même plus de couleur. Toi, tu viens, tu prends ma vie, tu commences. Ma, pour le Jansan là, hein? Pour ça, hein? Moi, j'abandonne toujours le Jansan. Quand j'abandonne le Jansan, 6 mois, 1 an, je récupère ma peau et après, je reprends. C'est comme ça. Tu comprends? Je ne suis pas comme toi. Bah, toi, tu n'as pas les moyens. Maman, repassage, tu n'as pas les moyens. Va d'abord te chercher un bon mari. Parce qu'un bon mari, quand la femme fait à manger, lui repasse. Tu as compris? Tout ce que tu as trouvé, c'est un Aoussa avec qui tu vas fonctionner dans le mbanga et tout ce que vous faites. Jusqu'à dire, oui, hein, et, ah ben toi aussi, c'est quoi là? Ou bien, moi, je ne te suis même pas. Hein. Je ne te suis même pas. On ne m'aurait pas envoyé tes conneries là. Je n'aurais même pas su que toi, tu peux parler de moi. Je ne savais pas que tu me connaissais. Hein? Hein? Elle fume comme une cheminée. Hein? Oh, pop, elle fume. La bouche est noire. Regarde la bouche d'une femme. Tu as même trouvé quel mec, toi. Hmm? Tu vas trouver quel mec dans ta vie. En dehors du machin que tu as ramassé, le gazala que tu as ramassé, c'est pas ton niveau. Et tu peux trouver un vrai blanc. Tu ne peux pas trouver un blanc. Moi, tu n'as aucune classe. Tu es sale d'abord. Regarde tes cheveux. Moi, mon mari ne peut pas dormir à côté de toi. Hein, avec les cheveux. Monsieur Chapin ne blague pas avec les cheveux. Hein. Si vous remarquez très bien, je vous dis, toutes mes perruques, au niveau des couleurs, c'est lui qui les choisit. Ah oui. Au niveau des coupes, là, je ne mets pas. Au Cameroun, je peux oser mettre certains. Mais quand je suis ensuite remarqué bien, je suis très différente. Parce que mon mari ne blague pas. Hein? Ma cheminée, ma repassage. Toute une vie. Toute une vie mal que l'esclavage de ça. L'esclavage de ça. Hein? Et tu as un homme dans ta vie. Il ne peut pas payer une femme de ménage. Pendant qu'elle repasse, toi, tu as posé les jambes sur lui et te caresse les cheveux pourvu que ses cheveux soient propres. Hmm? Pourvu que ses cheveux soient propres, c'est vous-même qui faites à ce que les vrais gars même ne vous regardent pas. Mm-hmm. Parce que vous êtes sale. Regardez Fakochère. Le bras d'une femme est comme ça. Mais tout l'argent que tu as travaillé dans ta vie, tu as fait quoi avec? Parce que la prostitution, ça paye. Tu ne pouvais pas aller te lifter ces bras-là. Parce que si tu ne mets pas l'argent là sur ton corps, tu mets ça sur qui? Les qui vont pleurer le jour que tu casses ta pipe. Hein? C'est l'ensemble de tous ceux que tu les esclaves que tu as recrutés chez toi pour te laver les assiettes, le caleçon et le sol. Tu as une femme de ménage chez toi, Fakochère. Hein? Mets l'argent sur ton corps, tu es trop sale. Va en Turquie, va te faire enlever tout le mauvais gras que tu as sur toi. Hein? Le bras, tu vois le bras bave, le bras d'une femme bave. Et toi, tu viens, elle vient parler à Madame Chapuis. Toi, tu peux venir me parler. En matière de beauté, c'est toi qui fuis ton âge. Parce que toi-même, tu sais que tu es en retard. La retraite, tu n'as pas. Parce que les genoux, même la cause, c'est fini pour toi. Moi, même si moi, je n'ai pas le même problème que vous. Voilà pourquoi vous êtes jalouse de moi. Je n'ai pas le même, parce que vous enviez ma vie tellement. Toi, si on te demande que tu fais quoi dans les 4 millions de la journée, tu vas dire quoi? Les fleurs, tu n'as pas chez toi. Tu n'as rien qui te passionne. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Hein? Je dis les 4 poteaux jaunes que tu as mis, où tu as mis le toit là. Les 4 poteaux jaunes, les 4 poteaux jaunes où tu as mis le toit, jusqu'à mettre Chopard. Vraiment, qu'est-ce qui te passionne dans cette maison? Qu'est-ce qui te fait plaisir de vivre dans cette maison? Moi, je ne vois pas. Hein? Tu n'as même pas de fleurs, tu n'as pas de petits oiseaux, tu n'as pas de cages, tu n'as rien. Regarde où je vis, moi. Regarde où je vis.
Je suis dans un petit appartement, comme tu le dis, mais c'est un appartement profond. Hein. Il y a trois douches, hein. Il y a trois salles de bain dans cette maison. Et deux grosses chambres, hein. Un dressing, un cagibi, une cuisine et deux grands balcons. Hein. Les deux balcons sont habitables, madame. OK? Je dis, mais il y a trois salles de bain ici. Je ne suis pas dans un studio, hein. Voilà, je pense que vous allez entendre mieux. Hein? Vous entendez mieux? Vous entendez mieux là? Voilà. Regarde-moi ça. Hein? Depuis quand les femmes qui sont dans le noir peuvent parler à une femme qui est comme moi? Hein? Une femme lumineuse. Hein? Une femme lumineuse, Anna Wama, une femme pleine de lumière. Tu vois la gamme de racailles. L'autre est là, elle a dit qu'elle va me clasher demain. Tu vas me clasher que quoi? Tout ce que tu peux dire sur moi, ce n'est que c'est que je n'ai pas de titre foncier. Mawé, t'as pas de titre foncier. Parce que si moi je dis que tu n'as pas quelque chose, ça veut dire que j'ai. En fait, vous connaissez ce qui veut dire clash? Vous connaissez ce qui veut dire clash? Oh, si. Vous savez ce qui veut dire clash? Le clash veut dire je t'insulte par rapport. Parce que vous êtes des influenceuses. Le clash veut dire que je te montre que tu n'es rien. Et à condition que moi je sois quelque chose. Mbiaï, tu ne peux pas dire que je n'ai pas de permis de bâtir, alors que toi tu n'en as pas. C'est que tu es en train de t'insulter toi-même. Tu as dit que je n'ai pas de permis de bâtir. Toi-même tu n'en as pas. Ça veut dire que Mbiaï est en train de dire que Guylaine, je n'ai pas de permis de bâtir. La bêtise de ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu insultes. Le Kajibi, c'est quoi? Est-ce que le Kajibi, c'est quoi? Mais oui, puisqu'elle n'a pas un bel appartement. Elle ne peut pas savoir ce que c'est que le Kajibi. Ça, c'est les Hollandais qui ont construit ça. Vous croyez que c'est les Africains, les Camerounais? Ce n'est pas les Camerounais qui ont construit cet immeuble-là. Ça, c'est les Hollandais. Voilà. Donc, Biaï, le seul clash que tu peux me dire, c'est que je n'ai pas le titre foncier. Toi, tu as. Comment tu peux te mettre sur Facebook et tu t'insultes? Tu te mets sur Facebook, tu t'insultes. Moi, j'ai dit que sors-moi ton passeport. Sors-moi tes kaolo. Sors-moi ton kaolo. C'est tout. Sors-moi tes papiers. Et tu n'as pas. Et tu vis sur mon territoire. Parce que moi qui paye les impôts, je peux décider sur ton sort. Oui. Parce que les Français, nous les Français, on décide. Flore et moi, on décide sur ton sort. On dit, allez, ceux qui ont déjà 5 ans ici et qui n'arrivent pas à avoir la carte de 10 ans dehors. Flore et moi, on dit qu'on vote. Elle va voter, elle va voter. On décide sur ton sort. Parce que tu es sur notre territoire, tu es dans notre pays. Et tu n'as pas de papier, madame. OK? Tu sautes de métro à métro. Tu sautes de bus en bus. Tu dis que tu vas me laver. Tu peux me laver? Tu vas me dire quoi? Que tu es plus belle que moi? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que tu es plus belle que moi. Parce que si tu étais plus belle que moi, tu aurais eu un mari. Bien. Tu aurais eu une belle vie en Europe. Tu te serais habillée. Tu t'habillerais mieux. Tu n'es pas belle. Une belle femme, d'après toi, c'est celle qui a tout, un bon mari et tout. Et non, un mari que pour un, il t'abandonne et le lendemain, il est dans les bras d'une autre fille. Alors que moi, ça fait 20 ans. 20 ans que j'ai reçu ces 72 pierres de diamant. Et ces 15 pierres de saphir. 15 pierres de saphir. Chérie, veux-tu m'épouser? Chérie, veux-tu être la mère de mes enfants? Chérie, promets-moi que
la, jour et la nuit et le jour, tu demeureras ma femme. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. C'est ça qui est ça. Tu vas me clasher que tu as déjà vécu ça. Tu as déjà vu ça. Tu as déjà eu l'émotion qu'une femme a quand on lui dit ça. Cherchez l'émotion là. Le jour que tu auras l'émotion là, la haine va te quitter le cœur. Oui. La haine va te quitter le cœur. Le jour que tu auras, tu vas vivre. Parce que c'est... Mes gens, cette émotion est unique. Mais Fakoché n'a pas vécu ça. Fakoché n'a pas vécu ça. Parce que le concierge devait lui dire quoi? Un concierge qui te voit monter avec le client, descendre, monter avec le client, descendre. Tu le prends, tu vas raser sa tête, tu laves son visage, tu le rases, tu l'amènes à la mairie. Il sait que c'est quoi? C'est elle-même qui a acheté les deux bagues toc en argent. Pourquoi lui donne? Pourquoi le blanc a lui mettre ça dans le doigt? Elle n'a pas écrit ça. Je vous dis, je dis à Miaï, tu vas me clasher, tu as dit que tu vas me clasher demain, tu peux me dire quoi? Chérie, je t'aime. Le je t'aime là est profond. C'est différent. Un genou par terre et un genou et belle cravate. C'est une belle chemise. Le costume accroché sur la chaise. Linda, quand tu te laves, c'est pas grave, princesse. Tu as compris? Pourquoi vous les écoutez, mais chérie, je t'aime. Quand tu vas vivre ça, viens me voir. La haine va te quitter le corps. Parce que toutes ces femmes-là, c'est par manque d'amour. Zoa dit que moi, je ne juge pas. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi elle le dit. Zoa, une veuve noire comme toi, le mari, il meurt. Le copain, il meurt. Ma, tu as ramassé un. Et tu as dit qu'il est allé toquer ta porte avec deux cartons de maquereau. Ton père a accepté. Il avait 32 ans. Tu avais le double de son âge, Fakochère. Je connais ton niveau. Je connais ton niveau. Je connais ton niveau. Toi, tu vas jouer même comment? Parce que le gars t'a trouvé, tu étais déjà ménopausé. Une ménopausée comme toi, c'est pour ça que ton ventre est comme ça. Je t'ai dit, va t'enlever cette boule de graisse. Le chômeur, le mari meurt à 40 ans. Parce que toi, tu as 40. Je te donne 40 ans. Je te donne même 35 ans. Mais à 35 ans, Nomaoua, Ibuanaoua. Hein? Voilà. Celui qui a dit que je deviens ridicule là, je le bloque. Voilà. Voilà. Ok. Allez, elle est bloquée. Je suis ridicule avec la réplique. Vous m'avez trop cherché sur ce Facebook et je ne vous ai jamais répondu. Vous m'avez trop cherché. Maintenant, dès que tu me cherches, je réplique correctement. J'ai déjà bloqué depuis. J'ai déjà bloqué depuis. Moi, je n'aboie pas. Je n'ai pas la force pour aboyer. Je n'ai pas la force pour aboyer parce que j'ai besoin de ma voix pour parler à mon chéri, à son oreille. Ok? J'ai besoin de ma belle voix pour parler, pour chuchoter au téléphone à mon chéri. Je n'aboie pas. Les gens qui aboient, c'est les gens, quand ils finissent, ils sont épuisés, boivent, ils fument le banga. Elles partent dormir, elles pissent, elles chient au lit. Moi, je ne suis pas là-dedans. Fakochère, toi, j'espère que tu as mis le bidet à ton père. Hein. J'espère, vous savez, Fakochère, tu sais que quand tu fais ma réplique, ce n'est pas une fois. Ma réplique, c'est deux, trois fois. J'espère que tu as installé le bidet à ton père. Fakochère, où sont les faits que tu avais fabriqués? La recherche du mariage de ça. La recherche du mariage de ça. Avec un enfant de 32 ans. Une dame mise moine. La recherche du mariage de ça.
Vous voulez, madame, vous voulez tuer madame Chapuis, pourquoi? Vous ne me pouvez pas. J'ai dit qu'à chaque fois que tu me cherches, tu vas me trouver. Voilà. À chaque fois, Mbiaï, quand tu m'as clashé la première fois, je t'ai dit que tu vas voir. Ça n'a même pas fait une semaine. Donc, le problème de 10 millions que tu as escroqué à Clarisse et Yenga est sorti. Ou tu es condamné ici. Parce que si tu n'apportes pas 10 millions, et même si tu apportes 10 millions, il y a le délit qui sera là. Ce ne sera pas seulement 10 millions. Ça n'a pas fait une semaine. Je t'avais dit que je ne te réponds pas. Mais la nature va te répondre. Et depuis que ça a commencé, ça ne s'est pas arrêté. Parce que tu croyais que Clarisse et Yenga n'allaient pas aller être seules. Tu n'avais pas prévu. Tu n'avais pas prévu le conteneur de Stella Amougou, ma BS. Tu n'avais pas prévu. Dommage intérêt. Dommage intérêt. Mbiaï va payer. Elle s'est amusée avec la femme d'un républicain. La femme d'un. Clarisse Yenga, c'est la femme d'un républicain. Tu vas voir comme ça. Et quand ça va t'accueillir, c'est là où tu vas maîtriser. Oui, oui. C'est ça. Non, la joie, trop, c'est trop. Ces femmes-là, dès que je reste et tout, vous n'avez pas à m'envier. Hein? Vous n'avez pas à m'envier. Ce n'est pas de ma faute si vous avez trouvé vos maris sur Internet. Hein? Et que vous leur avez promis que vous êtes des grandes dames, vous êtes ceci, cela, et que c'était du pipeau. Hein? Ce n'est pas de ma faute. Hein? Ce n'est pas de ma faute. Collez-moi la paix. Collez-moi la paix. Et là, je vais vous mettre plein la vue. C'est ça. Je dis seulement que voilà le défi. Sortez-moi vos kaolo. Sortez les vôtres. Alors, bien, tu ne me demandes plus jamais de te présenter mon titre foncier. Elle dit même le permis de bâtir. Comment est-ce que tu peux me demander le permis de bâtir alors qu'elle n'est même pas le titre foncier? Elle dit qu'elle a dit quoi? Le permis de bâtir ou le titre de bâtir? Une illettrée en plus. Demande-moi plutôt le titre foncier parce que tu peux avoir le titre foncier tant que tu ne commences pas à construire, tu n'as pas besoin du permis de bâtir. Avant de clasher, va un peu à l'école. Donc ne me demande pas parce que pourquoi tu me demandes le titre, le permis de bâtir, présente-moi pour toi et comme je sais que tu n'as pas, présente-moi celui que votre père a laissé. Et comme il n'y a pas, tu la boucles à vie. Tata Célia de Lucerne en Suisse va encore raconter tous les secrets. Lolo, amitié en chinois. Arnaud, écueil. Arnaud, Tata Célia à Lucerne, c'est qui? Hein, Arnaud, dis-moi. Ouais, Coco, j'ai bâti trois fois la maternité et je ne les ai pas abandonnés. Dès que je suis partie, un an, un mois plus tard, les trois entraient avec le laissez-passer. Laissez-passer de l'ambassade de France. Parce que quand le Watt a envoyé les papiers, on a dit envoie les documents. Quand il a envoyé les papiers, mais Jean, il a envoyé jusqu'aux cartes bancaires, jusqu'au relevé bancaire, jusqu'à. Mais Jean, l'ambassade a pris les documents. Il n'y avait pas moyen, comme eux, ils compliquent souvent ici. Il n'y avait pas moyen de compliquer. Allez, laissez passer tous les trois, le même jour. Oha, toi, tu veux me parler? Hein? Tu veux me parler? Tu sais ce qu'il dit qu'un blanc prend trois enfants au Cameroun, n'ayant pas encore épousé leur mère, n'ayant pas encore divorcé. L'ambassade prend comme ça là, mes gens, l'ambassade a pris comme ça là, le stylo écrit à l'ex-épouse de mon mari. Qu'est-ce que tu es consciente que ces trois enfants seront co-héritiers avec votre fils? La dame a répondu, oui, monsieur Chapuis s'en occupe depuis un an. Et c'est tout, c'est des Chapuis. Je donne mon accord. Et pour plus besoin d'informations, voilà mon téléphone privé, voilà le téléphone de mon bureau. On n'est pas né pareil. Vous avez compris? La blanche. Toi, tu vas venir me dire quoi? Quand tu es arrivé à Ben, tu as fait quoi? Tomber sur les jagailles qui t'attachent?
qui t'épine partout, tu t'attaches, tu cries, tu aboies, tu vas me dire quoi? Tu peux me dire quoi sur moi, Lolo? Tu peux me dire quoi que tu vas me laver demain? Lave-moi, mais lave-moi avec la vérité. Lave Chapuis, parce que là, tu as déjà prononcé, il a prononcé le nom de ma tante et son fils, qui ne sont pas dans les classes et qui t'ont porté plainte. On t'attend à ça ici, au parquet. Parce que insulte la personne que tu connais. Ah non, lui, ma tata, c'est cette tata-là qui habitait avec elle et chez ma Dominique Alicène. Tata Célia, cherche ton numéro pour bien te raconter. Tata Célia ne peut pas chercher mon numéro, mon chéri. Tata Célia ne peut pas chercher mon numéro. Tata Célia, c'est moi qui fais partie la fille de Tata Célia. En Europe, en Suisse, avec les Kaolo de ma fille. Tata Célia, c'est ma soeur, c'est mon sang. Tu as donc compris? C'est moi qui fais go sa petite fille. Quand le problème de Kaolo l'a dérangé, c'est le Kaolo de ma fille que la petite fille là est go avec. Vous avez compris avec quoi? Ce que j'ai fait dans ma vie pour des gens. Vous ne pouvez pas imaginer. Voilà quelqu'un qui connaît bien l'histoire. Voilà quelqu'un qui connaît bien l'histoire. Guy, moi je l'ai laissé tomber. Hein. Moi j'ai laissé tomber cette femme. Hein. Moi j'ai laissé le problème. Hein. Moi j'ai laissé le problème comme vous voyez là. C'est elle qui ne comprend pas. Moi je vais vous montrer une preuve. Je vais vous montrer une preuve. Moi, je ne suis pas dans les preuves et je ne suis pas un enfant. Je vais vous montrer une preuve. Je vais vous montrer une preuve. Voilà. Vous allez voir ici ce qui est affiché en rouge. C'est cette dame, Marlène, qui m'a appelé. C'est elle ici. Moi, je n'avais pas son numéro. Vous allez voir que je n'ai même pas un numéro enregistré, c'est elle ici. C'est elle ici. Elle m'a appelé. Elle m'a appelé. C'était le 15 jour. C'était hier à 15h55. Moi, je lui ai écrit aujourd'hui quand j'ai constaté ça. Je lui ai dit, demandez pourquoi elle m'appelle. Je ne veux plus qu'elle m'appelle. On n'est pas amis. Qu'elle ne m'appelle pas. Je ne veux pas. À chaque fois, cette fille, je suis restée tranquille, c'est toujours elle qui m'a attaquée. Et elle est la première à aller pleurer. Donc, quand elle attaque, on doit se taire. Parce qu'elle s'appelle un photo. Hé, le Cameroun de qui? Le Cameroun de Parapol Biya. Bamoun égale Boulou. Boulou égale Douala. Douala égale Bamileke. Bamileke égale Nordis. Nordis égale Makia. Makia égale. C'est ça le Cameroun. Il n'y a pas de tribu supplématique, comme elle dit, au Cameroun. Tu insultes un Camerounais, tu es Douala. Un Douala insulte un Bamileke. Si le Bamileke a la force, il rentre. Il insulte aussi. Et c'est Babas, on ne pleure pas. Ce n'est pas écrit quelque part que toi, tu l'as insulté. On ne va rien on ne va pas te répondre parce que tu estimes que tu es supérieur. Tu n'es supérieur à personne, tu n'es personne. Quand on est déjà sur Facebook là, surtout que moi, j'ai un combat louable par rapport à elle. Moi, je suis la belle de la République. Celle qui a fait, on a vu. Celle qui a fait, on a vu. Celle qui a fait venir les patriotes camerounais au Cameroun. Elle les a logés 2 mois pour laver votre image à la diaspora. Parce que tout le monde de la diaspora savait que, tout ici là au Cameroun, savait que tous les Camerounais de la diaspora, c'est la merde. J'ai fait venir cette brigade au Cameroun pour prouver qu'il n'y a pas que les Camerounais casseurs. Il y a aussi les Camerounais républicains. Et ça, c'était à mes frères. Je n'ai jamais perçu un centime. Pour qu'une femme comme ça vienne me dire que on finit avec moi sur
canapé des ministres pour des marchés. Mais Jean, alors que j'ai jamais fait un marché public. Jamais j'ai fait un marché public de ma vie. Elle peut le prouver. Et tu t'adresses comme ça à une femme mariée. Parce qu'elle veut tout simplement salir mon combat. Et ça, je ne peux pas me laisser faire. J'abats. J'atomise. C'est tout. C'est comme ça. J'atomise. J'ai un bilan mille fois. Je ne sais même pas quel bilan elle a. Moi, j'ai un bilan et j'ai mis de l'argent. En présence des dirigeants de ce pays. Je dis bien, quand je dis les dirigeants de ce pays, ils le savent. Et ça n'a jamais été rémunéré. Quand on agressait M. Paul Biya à Genève, quand je suis au Cameroun, je prenais en plein mois d'août première classe pour aller au combat. J'ai reçu le pétrole sur le visage de la part de Niak. J'ai reçu le piment de la part de Salomé Tchapchet. Avec des dents de sachets où on me tapait sur le visage. Alors je dois laisser qu'on me salisse mon combat parce que tu t'appelles Marlène Mbutu. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser que tu me salisses. En plus, quand c'est toi qui as cherché, tu ne peux pas chercher les problèmes. Tu ne peux pas avoir le plateau d'œufs sur la tête et tu cherches les problèmes. Et quand tu attaques, il n'y a pas de mesure de réplique. Dès qu'il y a déjà attaque, la réplique est là. C'est quand je veux et quand comme je veux. C'est tout. C'est comme ça. Voilà. Donc, elle qui avait prévu pendant que nous, on était en combat, elle avait dit dans un live que si le président Paul Biya ne demande pas pardon aux bêtises, le Cameroun allait cramer 6 mois après. Elle donnait 6 mois. Dans un live! Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? À chaque fois, elle m'a attaqué. À chaque fois, elle m'a cherché les problèmes pour rien. La femme, l'épouse d'un vieux blanc. L'épouse d'un vieux blanc. Elle s'est mariée pour l'argent. Et tout, et tout. Vous savez ce que ça veut dire? Quand votre mari écoute ça, vous savez que c'est un motif de divorce? Ha ha ha! Moi, je réponds. C'est comme ça et pas autrement. C'est tout. Allez, il est quelle heure là? Je pense avoir bien répondu à Paco Cher. Je pense avoir bien traité la mère de Bogos. Et j'ai dit tout simplement à Mbiaye que le clash, c'est de dire ce qui ne va pas, c'est de se moquer de moi. Avant de me clasher, si elle est grande dame, je lui donne la facture. Parce qu'elle ne mérite pas mon restaurant. Elle ne mérite pas mon cabaret. Elle ne mérite pas mon invitation. Je lui flanque la facture, elle me rembourse. Et j'envoie ça au resto de cœur. C'est tout. Tant qu'elle ne me rembourse pas, ça veut dire qu'elle a une dette dans son bas. Parce qu'elle me rembourse là maintenant. Allez, je transfère ça au resto de cœur. Si elle est une grande dame, elle me rembourse. Tant qu'elle ne me rembourse pas, elle me doit. Donc, quand tu as la nourriture de quelqu'un et sa boisson dans ton ventre, tu la boucles. Tu boucles ça à vie. Oui, à l'ouest, c'est comme ça. Tu as mangé ma nourriture, tu as bu mon verre, tu la boucles. Tu boucles ta bouche. On n'insulte pas quelqu'un qui t'a nourri et qui t'a fait boire et qui t'a amené dans les endroits les plus huppés de la capitale. C'est comme ça, pas autrement. Moi, je ne peux pas le dire pour Flore parce que le lendemain, j'ai invité Flore Hilton, le lendemain, elle m'a invité. Hein? Oh, ah! Parce que c'est une femme bien élevée. Toute cette jalousie, mes gens, c'est parce qu'elle voit que je supporte Flore. Oui, la Congo, ou bien les Congolaises, ou elle est ivoirienne, ou elle quoi, le machin qu'elle a, elle allait monter là, qui a les botox, on lui a injecté la graisse du porc. Parce que c'est même pas le botox. Le botox, normalement, quand tu fais le botox, ça ne se voit pas. Tu as un beau visage, mais la graisse du porc, elle allait se faire injecter la graisse du porc. Pour venir parler à Flore. Pour venir insulter Flore. Tu n'as même pas honte. Flore t'a déjà dépassé, tu pas cherché. Tu as toujours cherché le renfort. Tu as même créé le village des ténèbres. Flore, elle est toujours debout. Maintenant, tu es allé chercher celle qui se met au moins sous la lumière. Puisque Wakatologue était. Elle était dans l'obscurité. Tu es allé chercher celle qui te mettait sous la lumière. Tu n'as même pas honte. Même pas une femme te dépasse jusqu'à tu pas prendre le rang. Comme moi, vous voilà à quoi je vous ai mélangé, je vous broie. Toi, Facochet et la mère des beaux gosses. Toi, ça te dépasse. Tu pas chercher le renfort. Quand il te dit que Flore est ta patronne, une femme va, une femme pas chercher le renfort pour clasher.
Tu peux chercher le renfort de quoi? Clash floor. Seul. Fais le seul. Ne pas chercher le renfort au Congo. Tu n'as même pas honte. Tu peux livrer le pays au Congo. Tu peux livrer le Cameroun au Congo. Une Congolaise ou elle est Congolaise ou elle est quoi. Tu n'as pas honte. Quand j'ai dit ici que quand tu m'as dit que tu livrais la base. Que je dise à mes gens que s'ils donnent l'argent, s'ils parlent bien, tu livres la base. Te voilà qui allait livrer le Cameroun au Congo. Mes gens, tout ce qu'elle dit est vrai. Quand, regardez comment elle se comporte. Quand ça la dépasse, elle n'est pas livrée. Tu allais aller livrer Flor au Congo. Si la fille est congolaise ou bien elle est ivoirienne, je ne sais pas. Tu allais la livrer. Tu prends ta soeur, tu vas la livrer. Tu es méchant, tu fais peur, toi. Tu prends trop Facebook au sérieux, tu fais peur. Voilà. Voilà. Allez. Minage, je bloque le gros de ta mère. Voilà. C'est ça. Hey, tu peux me détester, tu ne vaux pas Flor. Moi, je ne fais pas l'amitié avec n'importe qui. Je ne supporte pas n'importe quoi. Toi, tu es jalouse. Hein? Tu dis que Flor ne va pas entrer dans sa maison. Elle n'entre pas dans sa maison, que tu es qui? Tu, elle ne va pas entrer dans sa maison, que tu es qui? Regarde jusqu'où ta haine va. Là où elle se tape, là, aujourd'hui, là, elle disait qu'elle va acheter ses carreaux. Toi, tu fais quoi? Tu es en train de monter les gens pour finir avec elle. Au lieu de chercher comment toi aussi tu vas t'en sortir, comment tu vas te faire voir. Hein? Tu es là, tu tournes. Ta vie, c'est seulement sur toi. Flor te doit même quoi? Elle te doit quoi? Hein? Elle te doit quoi? Nous l'avons vu ici. Elle a tout fait pour que vous vous réconciliez. Yamsa, tout ça. Quand tu étais au Cameroun, que tu étais dans la dèche ici, elle t'a soutenu et tout. Jusque-là, la haine est toujours là. Vous avez les mêmes capacités. Vous êtes pareil. Quand quelqu'un avait Flor, il faut que tu détestes. Quelqu'un avait Flor, il faut que tu détestes. Vous prenez pour qui? Tu peux me diriger dans ma vie. Tu es qui? C'est parce que je t'ai amené au restaurant que tu crois que je peux. Tu es quelque chose pour moi. Hein? Alors tu vas faire ta haine très très loin. J'ai dit, hein, compresseur et Flor. Aïe, c'est comme ça. C'est ça et pas autrement. Tu as compris. Va chercher ta vie. Une Congolaise, tu vas recruter une Congolaise pour clasher ta soeur, pour détruire ta soeur. Parce qu'au niveau du Cameroun, même tu n'as pas trouvé le niveau qui pouvait détruire ta soeur. C'est toujours Facebook comme ça, jusqu'à ce que tu viennes commenter, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. L'école est bien. C'est là vraiment qu'on voit que tu as fait l'école buissonnière. Jusqu'à ce que tu commentes, que sans fils n'a pas le bac. Une femme qui n'a même jamais été à la maternité. Ah bon, hein? Ah non. Celle-là se moque bien d'elle, hein? Comment elle ne va pas se moquer d'elle? Le mal, c'est le mal. Le mal. Tu, quelqu'un t'amène quelque part, que vient te débrouiller, tu arrives, tu montes le coin, la chasse. C'est ta vie comme ça. Man. Merci beaucoup, Guy. Merci beaucoup. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Même l'immeuble que Flo est en train de faire, là, c'est une affaire d'homme. Il a la bordel congolaise, là, dit que, hein, ma chère, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu as trempé, tu fais quoi pour construire? Tu gagnes l'argent où? Où est votre pauvre? Hé, maman. Hé. Regardez-moi deux vieilles bordelles avec le Mireille Mathieu. Elle avait la perruque Mireille Mathieu pour dire que Flo trouve l'argent où, hein, Flo a trempé. Trempez votre part. Elle trouve l'argent où elle trouve l'argent où pour construire. Ça, c'est toi qui allais lui dire de dire ça. Tu n'as pas encore été jalouse. Au lieu de te lever, retrousser tes manches, tu vois comment tu te bats. Tu vois comment tu te bats. Tu es seulement là que sur Flor. Tu peux même recruter pour qu'on l'insulte. Elle a fait le live, c'est fini. Il reste quoi? On avance. Tu crois que moi, je vais venir composer avec une personne qui est jalouse de sa soeur, de l'évolution de sa soeur? Non. Tu es jalouse parce que tu n'as rien foutu de ta vie. Moi, je vais être jalouse comment? Je dois être fière. À la crémaillère de Flor, je serai là, même si c'est en Europe, je viendrai à la crémaillère parce qu'il faut qu'elle fasse une crémaillère digne de ce nom, mesdames.
pas une crémaillère. Nous, on doit seulement être là à la crémaillère. C'est tout. Ah oui, encourageons nos vivants à arrêter la jalousie. Arrête la haine. Arrête la haine, tu n'as rien. Tu as loupé ta life et puis peut-être tu as encore le temps de te rattraper. Mais si tu perds encore le temps pour faire des conneries comme ça, tu es foutu. Hein? Tu n'as même pas honte d'aller livrer ta soeur dans un pays où on nous respecte. Hein? Fleur de Lys, elle est mondiale. Hein? C'est une blogueuse africaine. Tu ne peux pas tes petits trucs là. Regarde même celle-même là qui a clashé Fleur. Elle est non-aime. Hein? Hein? C'est tout. Elle est non-aime. Si tu veux trop montrer Mbiaï, va prendre Makoso. Tu dis à Makoso de clasher Flore. Comme Bob est mort. Dis à part ça, c'est Makoso qui est le niveau de Flore. Prends Makoso, tu lui dis de clasher Flore. Prends quelqu'un qui a un nom. Oui. Prends quelqu'un qui a un nom. Va prendre Lolo Beauté. Que va clasher Flore. Oui. On saura. Même pas que tu vas prendre les non-nèmes et tu vas commenter, tu n'as même pas honte. Allez, déjà, même je ne t'écoute même pas, je ne te suis pas. Je ne suis pas les mariens, je ne te suis pas. Même si tu veux, tu vas laver comme tu veux, c'est ton problème. Mais je dis seulement que quand tu seras au Cameroun, tous ceux que tu as lavé et qui ne t'ont rien fait, tu vas devoir répondre. Tu as compris. Allez, gros bisous à vous. Hein. Ah, gros bisous à vous. Je vais me prendre un verre de jus, je sais pas d'eau ou quelque chose. Voilà. Hein? Voilà. Oui, Lolo avait fui avec l'argent de Nelly. Je n'ai pas dit, une femme étonne. Lolo avait acheté un sac à Paris. La dame lui a donné l'argent et Lolo a pris une violente. Je vous ai dit ici que j'ai appris une histoire comme ça. Je vais lire bien tes commentaires, Arnaud. Je vais lire bien tes commentaires. Je vais bien lire tes commentaires. Moi, je vous ai dit ça ici hier, que j'ai appris une histoire comme ça. Qu'elle a fui avec l'argent de Nelly en Suisse. Tu n'as même pas honte. Toi, tu as quitté la Suisse. Tu n'as pas eu un mari. Tu as quitté la Suisse. T'as raison. Sans argent, sans mari. Tu es fini. Je t'ai dit, j'ai beaucoup de preuves sur toi que tu as été en Suisse à Lucerne. Et on vient de citer la personne à qui tu as fait du mal, qui t'a fait du bien, tu as fait du mal. Tu as fait avec l'argent. Je connais toute l'histoire, mais hier, je ne voulais pas la raconter parce que j'ai encore des retenues. J'ai beaucoup de choses que je ne veux pas raconter parce que je ne veux pas extrapoler. Je préfère clasher sur ta personne sur Facebook. Te démontrer que tu étais prostituée, ça ne t'a rien donné. Et que je n'ai pas le terrain, toi-même, tu n'as pas le terrain. Même ce que ton père a laissé, vous avez vendu. Donc même ton père, aujourd'hui, dans la tombe, n'a même pas le terrain, là où il est là. Le terrain qu'il a laissé avec la maison, il a construit. Vous avez tout. Donc ne me pose plus jamais question du terrain. Parce que toi-même, tu n'as rien. Même ce que papa, les enfants de papa, même ce que papa a laissé, vous avez vendu. Et vous vous êtes retrouvé sur Facebook. Votre travail, c'est le clash. Votre travail, c'est le clash. Tu clashes à gauche en France, ta soeur clash en Allemagne. Quelle poisse. Vous n'êtes pas une fierté, hein? On clash quand on a déjà fini d'organiser sa vie. Quand on a au moins... Quand on est au moins assis. Compresseur a déjà un homme. Nous, on attend seulement le mariage. Nous tous, on voit comment elle est. Tu as monté une copine. Ici, là, pour venir dans ton mur, pour venir clasher compresseur qu'elle a arraché, l'homme d'autrui. Toujours toi. Tout c'est toi. Toi, tu cherches, tu vas au fond. C'est-à-dire que tu as. Non. Lolo, il fallait que tu accouches. Il fallait que tu fasses un enfant. Tu as un cœur. C'est-à-dire que tu as un cœur comme un paquet de. Comme une poche d'estomac. Une poche de serviette qu'on a injecté. On a injecté le mal. Tu es très violente. Tu es très violente. Après, tu parles d'insulte. Je n'en ai rien à foutre. Il faut que tu fasses un travail sur toi pour avoir la paix du cœur. Parce que tu n'en as pas. Et tant que tu n'as pas la paix du cœur, tu n'auras pas de grâce. C'est tout. De toute façon, tu fais quoi avec la grâce?
Et j'espère que tu t'es souscrit une assurance de rapatriement, hein, parce que sans chaos, sans rien, il faut que tu aies une assurance. Hein, parce que tu sais, la vie ici, il faut faire très attention. Hein, tu as trop de haine dans toi. Tu as trop de haine, fais attention. Tu as trop de haine. Tu as trop de haine. Les nous, là, on te répond, mais on n'est pas. J'ai dit, j'ai 70 ans, j'ai 90 ans. Est-ce que je n'ai pas fait mes preuves? Je n'ai pas fait mes preuves. J'ai fait mes preuves. Hein, pas cher, j'ai fait mes preuves. Voilà. Où sont vos preuves? Pas cher, tu fais quoi au Cameroun? Tu parles plus en Europe. Parce que Ngongo est parti au Canada. Il a fait comme ça pour avoir les billets. Tcha-tcha, les billets. Et comme c'est Ngongo qui t'achète les billets, je ne t'entends plus parler de Ngongo. Il a privilégié sa famille, non, pour leur acheter les billets. Et comme toi, tu n'as que l'argent pour acheter le visa, parce que le visa qu'on te donne, ce n'est pas gratuit, pas trop cher. Le visa qu'on te donne, tu payes. Tu dois payer, mais tu devais maintenant payer le visa et tu payes le billet. Où est l'argent là? C'est pour ça que tu n'as pas voyagé. Pauvre idiote. Tu viens me caricaturer sur ton lit. Chienne. Allez, moi je m'en vais me coucher. Bonne nuit à toutes, bonne nuit à vous. Kim Kim, bonne nuit. Bonne nuit à vous tous. Je vous aime très très fort. Je ferme mes portes. Je fais ma prière et je me couche. Parce que j'ai déjà aussi beaucoup bossé aujourd'hui. Regardez le sourire de la dame. Ah, le sourire de la dame. Fakocha vient sourire, on voit. Ah, la bouche de la dame commence à tracer. Regarde la bouche. Regarde les pommettes de la dame. Il y a une femme à Bona, à Bofena, à Yenanyo, à Totracena. Bebga et toi-même, regarde ta bouche. L'homme va commencer à braquer. La bouche d'une femme qui est arrivée ici. C'était de ça. Maman, la gamme des échoués en Suisse et en France. La gamme des échoués. Oui. C'est tout. Allez, merci beaucoup à vous. Hein. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime très très fort. Bonne nuit. Allez vous reposer, allez vous coucher. Et surtout, démaquillez-vous. Avec une belle lotion démaquillante. Et après, mettez-vous à la base une crème apaisante. Après, vous mettez votre crème de soir et vous massez le visage. Et puis, vous vous couchez, vous dormez. OK? C'est le petit conseil du clin d'œil. Allez, bisous à vous. Bye bye.